accomplies au nom de l'État ou au nom du service public, alors même qu'il s'agit naturellement de d'activités qui seraient en quelque sorte détournées au profit d'intérêts particuliers, significatifs ou pas significatifs. Le fait même donc, si vous voulez, d'introduire, par exemple, l'obligation de rendre compte, si vous voulez, pesant sur, finalement, le service public lui-même, ou pesant sur les institutions publiques elles-mêmes, me semble être de nature à modifier considérablement l'équilibre. Et donc, en définitive, on accepte bel et bien, si vous voulez, que par exemple, que l'obligation de rendre compte soit, si vous voulez, le fait même du libéralisme, soit le fait même, si vous voulez, d'une culture libérale. Mais dès lors qu'on veut l'utiliser, si vous voulez, au titre du service public, cela change incontestablement la donne. Faut-il encore, bien entendu, que vous puissiez préparer les conditions, si vous voulez, suffisantes et nécessaires pour pouvoir le faire. La même chose, si vous voulez,